Écoutons la parole qui, en ce saint temps du carême, nous dirige notre unique Seigneur et Sauveur, qui par amour pour nous est mort sur la croix, afin que nous ayons la vie éternelle en abondance. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. » Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint, et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé.
du petit journal de Sainte-Sœur Faustine. Parle, mon enfant bien-aimé, car je suis toujours à ton écoute. Je t'attends toujours. De quoi désires-tu me parler? L'âme. Seigneur, d'abord je dépose mon cœur à tes pieds comme un vase de parfum, afin de te remercier de toutes les grâces et des bienfaits dont tu ne cesses de me combler. Je ne pourrais pas les dénombrer, même si je le voulais. Je sais seulement qu'il n'y a pas eu dans ma vie un seul instant où je n'ai pas bénéficié de ta bonté et de ta protection. Mon enfant bien-aimé, délice de mon cœur, ta conversation m'est plus chère et plus agréable que le chant des anges. Tous les trésors de mon cœur te sont ouverts. Puise-y tout ce dont tu as besoin pour toi et pour le monde entier. Jésus m'attend toujours et veut parler à mon cœur. De quoi est-ce que je voulais lui raconter? Seigneur miséricordieux, je te glorifie pour le don de ta parole qui me cherche dans mon quotidien et m'invite afin que je sois ouvert à ta présence, que je confie à toi chaque moment de ma journée. Je te remercie pour le don de ma vie, que tu m'as fait ton enfant et mourant sur la croix pour mes péchés. Tu m'as fait la plus grande preuve de ton amour inconcevable. Je désire, en ayant la Sainte Vierge Marie pour un modèle, te suivre d'une manière toujours plus fidèle. Conduis-moi, Jésus, vers le Père qui a tellement nostalgie de moi. L'Esprit Saint, ouvre-moi toujours plus à la vie divine dans mon âme. Cette conscience de la vie de Dieu dans mon âme est pour moi une source de bonheur et de force. Je ne cherche pas le bonheur en dehors du fond de mon âme où demeure Dieu. J'en suis consciente. Je ressens comme le besoin de me donner aux autres. J'ai découvert dans mon âme la source du bonheur, c'est-à-dire Dieu.